Et est-ce qu'il y a des pornos pour femmes? John Birou, je vous pose la question. Oui. Ils sont chiants, oui. Nikita Bellucci. C'est un débat, une question qu'on pose souvent. Oui, il y a du porno qui est fait plus pour les femmes. Alors, effectivement, il y a plus de sentiments, plus de préliminaires, plus de temps passé à raconter les rencontres et la montée du désir. Mais c'est pour ça que c'est embêtant, Nikita. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, le porno féministe, ça doit être le rapport papa-maman. Et j'ai l'impression qu'en fait. Moi, je suis une femme et je suis désolée, j'aime bien le rapport assez hard et le rapport violent. Et pour autant, je me considère comme étant féministe parce que j'assume complètement mon plaisir et le fait d'aimer le sexe hard et le... Enfin, je sais pas. Beaucoup de nanas me disent ça, me disent, moi, le porno, pour moi, le porno, il faut que ce soit rugueux, fort, avec, qui est du rythme, de l'énergie, même un porno extrême. Les filles, faut pas croire que parce qu'on est une fille, on est mièvre, et qu'on aime les bonbons sucrés et, non, pas forcément. Oui, voilà. Je crois qu'il y a du porno, le porno macho, ça existe. Mais dans le porno, donc le porno macho il est moche, mais porno féministe, je suis pas convaincue.